Nous allons commencer cette cérémonie par une démonstration de inline dance avec Maëlle Mathieron, championne d'Europe 2018. Thank you.
accompagne Lily, Steph Leblanc. Madame Christina Flores,
Madame Montjoie-Monnier, Madame Jocelyne Mercoli, Madame Chantier-Lévira et Madame Jean-Pierre. Je veux également rappeler quelques chiffres. 10 jours
Dijon recense ainsi plus de 190 sportifs professionnels, voire de haut niveau. 5 clubs professionnels également. Nous avons un tissu associatif de plus de 530 associations. Quelle fierté! Et plus de 60 000 adhérents au sein de Dijon et de sa métropole. Diversité, bien sûr, est une richesse faisant de notre ville une ville attractive en la matière. Elle permet à Dijon et sa métropole un rayonnement à l'échelle nationale comme internationale. Et je dirais que c'est le cas pour cette belle manifestation aujourd'hui. Il est vrai qu'en 2017, Dijon a confirmé son exemple, a été exemplaire en matière de politique sportive en recevant le label Ville active et sportive agrémenté de ses 3 lauriers. Et ainsi, en 2019, encore il y a quelques semaines en arrière, par le biais de son adjoint, Claire Tomaselli, nous avons eu cette dynamique qui se poursuit, puisqu'un 4e laurier vient s'ajouter à notre label. Et c'est grâce à vous toutes et tous. Donc bravo à vous. Je salue bien sûr les 13 régions ici représentées. Donc je dirais simplement bonne chance pour cette première étape. Cette discipline est une grâce et vraiment vous rayonnez par vos sourires. Discipline majestueuse également, je voulais le rappeler. Donc moi je suis vraiment ravie d'être à vos côtés et je vous souhaite que le meilleur et que le meilleur ou que la meilleure gagne ou soit qualifié. Je passe la parole à Mathieu Fouchard, le représentant de la Fédération française de basketball. Merci. Bonjour à tous. Habituellement, on est assez pressé, et là, on a beaucoup de temps. Alors, d'habitude, je suis très rapide, mais là, je vais être un peu plus lent. Non, je vais être rapide. Alors, permettez-moi, mesdames, messieurs les officiels, de déroger un petit peu au protocole. Et cette cérémonie de remerciement, je voudrais l'adresser en premier lieu, et je sollicite tous vos applaudissements pour l'ensemble des bénévoles de ce club qui sont devenus très super bien. Madame la représentante de la mairie de Dijon, je vous remercie. Il y a 3 semaines, j'étais aussi à Dijon pour le Burundi Trophée de Dijon qui rayonne depuis plus de 9 ans. Et ça fait partie, je pense, du rayonnement de la ville de Dijon, mais c'est aussi avec votre aide, depuis des années, que le club a pu se développer et, comme vous dites, rayonner au plan national, mais aussi international, avec de multiples compétitions et généralement de très haute qualité. Merci à la ville. Monsieur le président de club, j'ai bien entendu votre message avec cette démonstration de danse inline et je félicite Maël pour cette belle prestation. J'ai cru comprendre le message et sachez que le sujet est à l'ordre du jour lors de notre prochaine réunion. Je suis de ceux qui voient le patinage inline comme une opportunité et pas un risque. Et je pense que, comme en artistique, le inline a toute sa place à nos côtés. Et je pense et j'espère que vous annoncez très prochainement de bonnes nouvelles. Alors, ça me permet de passer au sujet suivant qui est ce fameux nouveau
nouveau système de notation Rollart, qui a fait l'objet de discussions, de longs débats depuis quelques temps. Maintenant, c'est en place. C'est un grand soulagement, puisque maintenant, on peut dire, après le week-end dernier à nouveau, et maintenant, ce week-end qui est bien entamé, que la France a réussi le virage Rollart. C'est grâce à tous les entraîneurs, tous les clubs qui ont su s'adapter, mais aussi énormément aux juges qui ont fait beaucoup d'efforts pour se former et pour aujourd'hui, et comme le week-end dernier, j'avais encore mieux ce week-end, être très performant, notamment en termes de rapidité. Et c'est aussi pour ça que je prends mon temps ce week-end. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ce système de notation, oui, chamboule un petit peu les choses, mais le changement, ça fait du bien aussi. Et j'espère que ce nouveau système de jugement sera utilisé comme un outil et pour les patineurs et surtout pour les entraîneurs pour faire progresser et évoluer le sport. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je crois qu'on vient de prendre un virage très important pour notre sport et je crois qu'on est qu'au début. Maintenant, pour aller plus loin, vous le savez, il nous faut des bénévoles. Alors, je pense qu'on a beaucoup et de qualité, mais il nous faut aussi des juges. Alors je les salue de nouveau parce que ceux qui ne sont pas nombreux, ils sont tous aussi pratiquement entraîneurs. On sait que ce n'est pas idéal. Et comme l'a dit tout à l'heure la représentante de M. Maire, il y a 34 clubs. Alors si les 34 clubs allaient tous chercher un juge de plus, il y aurait peut-être, allez pas 34, mais une quinzaine ou une vingtaine de juges supplémentaires. Et sachez que cette année, nous allons devoir faire appel à des juges étrangers sur les prochaines étapes pour pouvoir assurer des jurys corrects et dans le temps. Et je crois que c'est le devoir et le travail de chacun d'entre nous, et je parle bien de nous, que ce soit la commission, les dirigeants, les parents, les entraîneurs, de recruter de nouveaux juges afin que ceux qui sont entraîneurs puissent faire ce qui leur plaît et ceux qui ont envie de juger puissent le faire aussi et aident et soutiennent notre sport à se développer. Il y a 34 clubs, j'espère que l'année prochaine il y aura 34 juges en formation parce que sinon ça sera de plus en plus difficile de constituer des jurys et notamment pour la spécialité de course. Voilà, je pense que ce message de vous faire passer me paraît très important et je pense que tous ensemble, club, commission, fédération, nous pouvons y arriver et j'espère que dans 2 ans, nous parlerons plus de ce problème et des autres qui nous attendent. Merci à tous. Bon week-end. Voilà.
Auvergne-Rhône-Alpes,